Je suis en train de brancher un raccord sur un tuyau pour emmener l'eau donc de ces cuves où il y a la pompe qui va pousser l'eau pour alimenter une parcelle qu'on veut arroser. Alors je ne sais plus si là c'est du goutte à goutte ou si c'est de l'aspersion. Donc là on a 8 mètres cubes, c'est-à-dire qu'on peut les vider en 2-3 heures, faire un arrosage. Et tu as 8 mètres cubes disponibles. Et puis après, ça va mettre du temps à se re-remplir. Ça va mettre une journée, quoi. Tout le jardin, il s'est un peu construit au fur et à mesure, en commençant sur une plus petite partie. Et puis, nos besoins, ils ont changé au fil du temps. On a acheté une rampe d'aspersion. On a vu que ça faisait quand même un arrosage qui était vachement intéressant, parce que ça arrose partout, ça rentre relativement lentement. L'arrosage, même si ça dure que 2 heures, voilà, ça fait comme une pluie, quoi, et ça profite vraiment mieux, je trouve, aux cultures, parce que ça, contrairement au goutte à goutte, où c'est très localisé. La première année, quand je me suis installée, j'avais pas fait d'investissement dans cette irrigation-là. J'avais récupéré, on m'avait donné, une autre agricultrice m'avait donné des autres asperseurs, mais bien, bien plus forts. Et c'est bien, j'ai pu tester, et ben c'était pas de la micro-aspersion, du coup c'était des gros jets tournants et bon, qui irriguaient, je pense, qui envoyaient de l'eau sur un diamètre de 15 mètres à peu près. Bon, déjà on peut mal gérer l'irrigation avec les cultures comme ça, c'est tellement grand, mais surtout la force faisait que les carottes, par exemple les semis de carottes, ça me les déterrait, enfin bon, c'était trop puissant ce jet-là, il y avait des trop grosses gouttes qui arrivaient au sol. J'ai à peu près un quadrillage tous les 6 mètres, dans tous les sens. Du coup, c'est une aspersion en douceur, quoi. Ouais. On pourrait dire une petite pluie. Enfin, une petite pluie, oui, une pluie, oui. Mais pas une pluie battante. Et du coup, ça n'abîme pas forcément les légumes. Historiquement, mes parents faisaient tout avec un asperseur qui doit faire 15 mètres de diamètre, je dirais, ouais. Qu'on voit derrière, là-bas. Ouais. Et des tuyaux jaunes flexibles là, qu'on achète à peu près partout. Ça coûte pas bien cher et c'est pratique. Ça a l'inconvénient que tu peux raser qu'un seul endroit à la fois et que ça fait déplacer des tuyaux. Mais c'est à savoir que si on n'a pas d'argent, ça peut marcher. Dans une terre argileuse, parce que il y a pareil, vu qu'il y a une bonne rétention d'eau, on n'est pas obligé de l'arroser tous les matins. C'est un choix récent finalement, le goutte à goutte, hein, qui est lié. Qui s'est fait dans la foulée de votre installation. Ouais, bah, je trouvais que c'était intelligent de pas... Parce que ça fait quand même... par exemple, typiquement, c'était un gain de temps, en grande partie. C'est-à-dire que là, en une nuit, on arrose en une nuit l'équivalent de ce qu'on arroserait en deux. Donc en fait, au nombre d'aspersions qu'on fait, ça fait une quantité non négligeable de... c'est du temps gagné en fait. Et ça a aussi l'avantage, on s'en est rendu compte après, que ça a cet avantage que sur une zone venteuse, et ben en fait, on peut mettre, quand il y a gros vent, on peut continuer à arroser nos productions sans avoir à se poser de questions parce que le vent, quoi, on s'en fout du vent. Quoi. On a un peu les deux depuis le début, et puis là, avec les problèmes de plus en plus concrets et pressants par rapport à l'eau, on, cette année par exemple, on a passé plus de choses en goutte à goutte et moins en aspersion. Sur certaines cultures, on a la possibilité de faire les deux, quoi. Soit du goutte à goutte, soit de l'aspersion à différents moments du cycle. Ça dépend des légumes. Tout ce qui va être vert, salade, etc., je préfère en aspersion. Parce que déjà, nos salades sont déjà mouillées, donc ça nous évite de les retremper une fois qu'on les a ramassées. Et ça permet de rafraîchir un petit peu les cultures. Ensuite, au goutte à goutte, on fait tout ce qui est cucurbitacé pour éviter toutes les maladies. Tout ce qui est cucurbitacé, solanacé, tout ça, on le met au goutte à goutte. Ça nous évite d'avoir des problèmes de maladies, mildiou, oïdium, tout ça. Ça peut poser problème sur au niveau de la plantation. Les haricots, par exemple, qu'on a mis des gouttes à gouttes, même principe que là sur les poivrons. Par contre, on les asperge au début, quoi, pour que la croûte supérieure, pour le coup, soit humide, pour que le haricot puisse sortir. Parce que sinon, la poche d'eau... Surtout qu'en plus, les haricots sont tous les 50 et les poches d'eau sont toutes les 30. Donc, il y en a toujours un qui se retrouve entre deux poches d'eau. Donc, c'est pas du tout... Là, pour le coup,
il y a un besoin d'aspersion. Il y a les deux types parce que les 15 premiers jours, le temps que les... Moi, j'aime bien humidifier tout le tour de la motte un peu plus au moment de la plantation. Ça permet de faire un meilleur lien entre la motte du plant et le sol. Cette année, on est passé beaucoup au goutte à goutte. Tous nos poireaux, nos choux sont passés en goutte à goutte, alors que jusqu'à présent, c'était en aspersion. On a combiné les deux parce qu'on s'est dit que c'était quand même important à certains moments que ces légumes-là aient aussi un peu d'aspersion. Mais essentiellement, ils sont arrosés avec les goutte à goutte, ce qui nous fait gagner. Enfin, ce qui fait perdre moins d'eau en fait. Ce qui est plus difficile à gérer, c'est qu'on ne voit pas la quantité d'eau qu'on met. Mm-hmm. On peut la calculer, hein, c'est assez simple, c'est des gouttes à gouttes de tous les 30 cm à 2 litres de heure. On sait que sur une nuit, par exemple, on en met 30 mètres cubes. Bah, globalement, je ne vois pas ce que ça fait 30 mètres cubes. Et notamment parce que la croûte supérieure de terre n'est pas du tout humide. Mais par contre, ça peut, voilà, en bas des planches, il y a de l'eau qui s'écoule, on voit qu'il y a eu de l'eau. Donc c'est d'un point de vue de la perception, autant sur l'arrosage, on peut vraiment être dans du sensible, autant là, des fois, on peut être un peu dubitatif. Ça moins évident. Après, c'est la première année qu'on le fait, donc pour le coup, il faut voir avec d'autres qui ont plus l'habitude. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il faut le faire pour le coup très régulièrement, de façon à maintenir globalement une réserve d'eau dans le sol. Et que quand vraiment, là on était parti sur quelque chose, on avait un peu trop tardé à mettre en place, puisqu'il y avait eu un régime régulier d'averse au printemps, pour remettre de l'eau vraiment en quantité, c'est quand même quoi, c'est un peu plus long. Si je laisse mon goutte à goutte très peu de temps, ça va rester assez en surface, voire descendre assez droit. Si je laisse un peu plus longtemps, par capillarité, ça permet d'écarter un petit peu l'eau dans le sol, quoi. Après, j'ai une gouge, hein. C'est un bâton. Je le plante dedans, je regarde. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'avais récupéré avec la DABU. On avait eu une formation sur l'irrigation. Il nous a dit, votre meilleur outil pour apprécier ça, c'est une gouge, hein. Donc je prends, je fais une carotte de terre et je vois un peu mon sol, comment il est fait, quoi. Et après, je gère par rapport à ma gouge, savoir si je décale de 25 cm de la plante, est-ce que mon goutte à goutte, il a été assez efficace et est-ce que j'ai des endroits mouillés? Si je vois que j'ai pas d'eau à 20 cm du bord de la plante, une profondeur un peu plus grande, ben, je vais arroser un peu plus longtemps pour que ça cesse. Le pendulaire, même sous les serres d'été, je m'en sers, mais vraiment je m'en sers en brumisation. En fait, quand il y a des problèmes d'acariens, parce que c'est trop sec l'été, je lance la brumisation. Alors, du coup, la micro-aspersion qui est une brumisation, puisque c'est 2 minutes, et puis 2 heures après, à nouveau 2 minutes, ça permet de baisser la température, d'augmenter le pourcentage d'humidité, et c'est pas mal. J'ai fait un lâcher coccinelle et d'auxiliaire, et il fallait aussi une ambiance humide. Donc là, je m'en suis à nouveau servi. Pour favoriser l'implantation de ces auxiliaires que je venais de lâcher. On peut un peu plus réguler le sanitaire avec l'arrosage sous serre. Tu vois, sur des pucerons par exemple. Mm-hmm. Pucerons, si on voit, ou de l'araignée, tout ce qui est acarien sur les aubergines, je vais me servir de l'aspersion pour faire monter l'hygrométrie et baisser la pression sur les pucerons et sur les acariens. Les pressions de pucerons, elles sont quand même moins importante en plein champ, enfin pour ma part en tout cas. Du coup, cette année par exemple, j'ai pas eu de pucerons sur courgettes, j'ai pas eu besoin de remettre l'aspersion. Ça pourrait arriver, mais nous, dehors, on a quand même moins ce problème-là, quoi. Pucerons, c'est surtout sous abri. Ouais. Si, disons, j'ai besoin d'arroser, parce que en fait, cette terre, dans 2 mois, elle est humide, si j'ai le goutte à goutte qui est quand même installé et que j'ai juste à brancher la rampe de goutte à goutte au goutte à goutte, c'est quand même pratique, quoi. Tu dis au cas où, pourquoi en fait? Au cas où, c'est en fait la sécheresse et que ce terrain n'est pas si humide que ça au mois de juillet, août, et que je vois les feuilles qui flétrissent. Si je vois que ça, c'est la panique, en une journée j'installe très facilement l'eau, quoi. En plus, en fait, aussi le paillage apporte clairement garde l'humidité, quoi. Après, voilà, il y a plein de bouquins qui nous expliquent qu'il faut, quand est-ce qu'il faut arroser la courgette, quand est-ce qu'il faut pas l'arroser, quand est-ce qu'il faut la récolter. Enfin voilà, il y a plein de gens qui ont déjà. Après, voilà, moi je me focalise là-dessus, et après comme pour d'autres cultures, le melon, la tomate, on essaye de limiter les arrosages pendant qu'elles forment leurs fruits, que leurs fruits mûrissent, pour que du coup les tomates aient du goût.
Et ça, c'est une des difficultés que je ne sais pas si je vais pouvoir le faire sur mon terrain, du fait que s'il y a tout le temps de l'eau, bah, peut-être que je vais avoir plein de tomates rouges, mais pas, avec pas beaucoup de goût. Ah, ça oui, serait un peu ennuyeux. Ça, c'est ce qui me fait un peu peur. Depuis cette année, beaucoup, on essaye de s'organiser mieux pour l'arrosage et de vraiment tout noter. On a Calou, elle a fait un grand tableau là avec plein de colonnes, avec chaque jour on peut noter ce qu'on faisait pas en fait jusqu'à maintenant. On se disait ah bah là j'ai arrosé ça, demain il faudrait arroser ça, mais là maintenant on essaye de plus le concrétiser, le planifier. Ouais voilà. Ça a l'air de rien hein, de mettre l'eau, on va dire c'est à rouvrir une vanne. Mais quand tu as trois parcelles, qu'il faut aller ouvrir une vanne là-bas, pas en même temps, parce que sur le même réseau, donc il faut pouvoir tourner. On est sans cesse en train de s'arrêter de travailler. Ouais. Là, tout est réglé dans le petit programmateur. Le matin, j'arrive, j'ai juste à changer les vannes de qu'est-ce que je vais ouvrir, qu'est-ce que je vais fermer pour la nuit prochaine. Et je n'ai pas à m'occuper d'ouvrir, j'oublie pas d'éteindre. Selon la période, je règle plus ou moins le temps. Et c'est vraiment un gain de temps, un confort de travail, ouais. C'est sûr. Mon eau arrive dans une nourrice et repart sur trois branches, quatre branches avec des électrovannes. Et ces électrovannes, je les programme. Alors, quand je suis sur l'exploitation, j'appuie, je lance moi-même le début. Mais ce qui me permet d'arroser quand je ne suis pas là, et souvent les nuits. En fait, ce qui est très important, c'est que je peux arroser la nuit. Voilà, c'est quand même le meilleur arrosage. Chaque électrovanne, je programme quel jour je veux arroser, la durée d'arrosage. Et puis le démarrage, en fait, si c'est à 2h du matin, si c'est à 4h, voilà. Donc avec tout ça, je peux aller jusqu'à programmer les 4 vannes et faire un circuit d'irrigation, enfin que toute mon exploitation soit irriguée sans que je sois présente, quoi. Confort de gestion, confort de travail, en fait, ouais. Aussi. Hein. Et puis ça m'empêche pas de travailler sur l'exploitation et puis que mon irrigation, je la gère pas non plus. Enfin, j'aurais programmé et l'arrosage va se faire automatiquement. L'agriculture, c'est du vivant, c'est des terroirs, c'est tout ça. Je pense pas qu'il y ait une solution globale pour tout le monde, quoi. Sinon, ça se saurait, on aurait tous les mêmes systèmes et tout le monde ferait pareil, quoi. Donc, je pense que l'expérience, ça fait partie du... Ça fait grandement partie de la chose. Pour l'instant, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne. Là, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est à être réactif, quoi. Avec le sec comme avec le trop d'eau. C'est-à-dire que, voilà, enfin... Moi, ce que j'ai constaté, surtout ici, c'est qu'on va avoir 6 mois sans eau. Et là, le meilleur exemple, c'est là, ça fait 10 jours qu'il pleut sans s'arrêter, quoi. Mm-hmm. Et ça, il faut arriver à gérer un peu sur la météo, etc., pour arriver à travailler un peu plus réactif, quoi. C'est-à-dire que voilà, si je vois qu'il va annoncer une semaine de flotte et que je n'ai pas ramassé tel ou tel légume, il va peut-être falloir que je priorise... sur le ramassage, sur le nettoyage, sur la préparation pour la plantation d'après. Mmh. Voilà, je pense que c'est surtout un meilleur suivi de la météo et une meilleure réactivité sur les travaux à faire.